Thank you.
Salut les cadavres, bienvenue dans cette vidéo un peu inhabituelle parce que la partie que je viens de faire en classé, c'est pas enregistré, donc on va regarder le replay. J'ai encore les informations relativement fraîches dans la tête. On va se diriger manuellement et on va lancer tout ça. Je me retrouve avec une MF support parce qu'en face on m'a honteusement volé Zira en fait. Est-ce que je peux que je peux me coller sur moi, a priori oui, si je fais ça, pouf, je devrais faire comme ça, voilà. Donc une MF support et en fait dès le début, voilà, c'est pas trop la fête parce que Lucian ne sait pas que MF peut support en face de Zira et à condition de se comporter d'une certaine façon. Donc l'équipe lui explique un petit peu que voilà, je vais partir AP pour que ma plaque fasse des gros dégâts et pour les poke d'encore plus loin que Zira peut le faire et défoncer ses plantes très rapidement. Le problème pendant la partie, c'est que pendant la phase de lane, il va se comporter comme si j'étais un vrai support. C'est-à-dire comme si je pouvais vraiment lui sauver la mise et tout et tout. Et non, j'ai des attaques auto relativement faibles. Je suis là juste pour les repousser plus loin pendant que lui farme tranquillement. Et comme c'est un Lucian, ben il va partir dans des super engages. À un moment, c'est quoi? C'est notre mid laner. J'avais parié, dans la vidéo que vous verrez pas parce qu'elle n'a pas été tournée, j'avais parié sur le fait que Malzahar allait rouler sur Karthus. Et effectivement, Malzahar roule bien sur le Karthus. Et à un moment, on se fait gank et le mid laner pète un câble sans aucune raison particulière. Voilà, parce qu'il a décidé qu'on devait gagner le trade. Mais bon, il se calme très vite après, donc ça lui a pris... voilà, il a pété un coup, tout va bien. Donc je vais retourner en mode pas centré sur moi. Malheureusement pour nous, une Zira Xayah en face. Voilà, Xayah est toujours pétée parce qu'elle n'a pas encore eu son nerf de dégâts ou de nombre de plumes, donc elle fait vraiment très très mal. C'est vraiment une question de placement. La Zira joue pas ouf. Très honnêtement, la Zira est assez moyenne. Je crois que je joue un peu mieux qu'elle, me semble. Moi j'essaye de... Voilà, je me borne à mon rôle, hein, je poke caché dans les buissons. Je leur fais découvrir les joies du Thunderlord dans la plaque. Et là, vous voyez, le Lucian, il y va comme en 40. Alors du coup, j'essaye de poke un petit peu en même temps que lui. Le trade est bon, c'est-à-dire qu'elles ont pris plus de dégâts que nous, elles ont claqué leur popo. Moi j'ai pas de popo. Je suis parti à la régène mana parce que malheureusement lâcher des plaques ça consomme énormément. Arrive la Akali qu'on n'avait absolument pas vue très très tôt, gank niveau 2. Donc autant vous dire qu'on s'y attendait juste pas. Notre Lucian se fait choper. Aucun de nous ne s'attendait à voir Akali arriver niveau 2. Très honnêtement. Alors moi j'essaye de les retenir autant que je peux. Sauf que voilà, hein, plus beaucoup de points de vie, plus beaucoup de mana. Notre Vi va tenter, alors moi je me préparais à partir, puis je vois que Vi est là, et elle est en train de me pinguer, genre ouais, je vais y aller, je vais y aller, donc je mets une petite plaque pour faire des dégâts. Elle surgit du néant, elle charge, elle rate. Et là, elle se fait gauler, tout le monde se retourne sur elle, et moi là, je fais pas de dégâts. C'est ça le truc. C'est que je fais zéro dégâts. Donc la Vi se fait emporter, parce qu'emporter ça veut absolument rien dire. Et on commence plutôt mal. Je vous cache pas que Lucian comprend pas comment je peux l'aider en tant que support, voilà. Moi j'arrive pas à lui expliquer que il faut qu'il joue un peu plus posé parce que j'ai pas la force de frappe d'une Sona ou même d'une Morgana. Voilà, je peux pas placer une combe qui va calmer tout le monde. Moi je fais fuir les gens parce qu'ils marchent dans la plaque. Donc du coup lui, bah, il sait pas bien comment se comporter, c'est un peu ça l'idée. Et la vie, bah, je sais pas, elle devait se sentir méga forte. Je pense que le fait qu'elle ait raté son bond
l'a mis dans une putain de position. Et moi, en tant que support, je pouvais pas la laisser, quoi. J'étais obligé de venir essayer de l'aider à gagner au moins un kill pour que ça soit worse. Et au final, on leur en a filé deux. Ça se termine assez souvent comme ça. J'en profite, vous pouvez voir mon rework du skin de Xayah que j'aime beaucoup. Je la trouve super chouette comme ça. Je l'ai bien travaillé. J'ai passé une petite après-midi dessus pour la rendre un peu plus sympathique. Je suis fatigué de leur maladie des skins mauve, rose et bleu nuit. Voilà, moi je pose des plaques. Là, la Zira, elle revient, elle a piqué les deux buffs de la vie. Donc autant dire que on est hyper mal en bot. On est hyper mal. On va se replier sous tour. On est pas mal dans les débuts de trade, on est mauvais dans la conclusion. C'est-à-dire que tant qu'on poke à distance, franchement, on fait des bons trucs. Et puis malheureusement, dès qu'elles sont un peu au cac et on est un peu dans la merde. Et là, il fonce, il la bute. Elle récupère toutes ses plumes, il reste plus que moi. Et moi, là, il s'énerve beaucoup parce que pour lui, je pouvais me barrer. Je pense pas que tu puisses te barrer d'une Xayah comme ça. Alors que t'as plus ton Z qui te permet de courir vite. T'es un peu obligé de rester en face et de tirer, quoi. Elle va te faire à l'auto de toute façon, donc t'as rien à esquiver. Son Q-spell a déjà touché. Pour moi, j'étais condamné. Mais c'est pas grave. Là, le malaise s'est bien installé autour de la bot lane. Et du coup, ça va être assez chaud d'arriver à s'en sortir. Et la vie fait un truc extrêmement chouette. C'est-à-dire qu'en fait, elle va venir vivre plus ou moins à la bot lane. Et ça va un peu soulager la tension qu'il y avait. Pour le coup, je lui ai rendu honneur à la fin de la partie, parce qu'en fait, son soutien a été super important pour arriver à conclure des trucs. Pendant ce temps, on va profiter, on va aller voir un petit peu. Voilà Karthus qui se fait rouler dessus par Malzahr. Karthus n'était pas terrifiant. Hein. Très honnêtement... Je crois qu'il est vraiment dépassé au niveau de la méta. Ah, nous voilà revenus. La Zira fait des plantes un petit peu n'importe où. Le Malzahr s'est farci le Karthus encore une fois. Et là, Akali descend. Akali descend, Vi descend aussi. Malheureusement, Lucian se fait choper. Je place un exhaust un peu où je peux. Je m'en tire grâce aux soins du Lucian. Et je vais me préparer à partir. Je vois que le Lucian reste et qu'il n'est pas hyper bien. Donc en fait, je pars pas. C'est super risqué, je sais. Mais je viens poser une plaque pour les faire fuir. Comme ça, la Vi va... enfin réussir son point. Et malheureusement pour elle, voilà, c'est Xayah. Elle s'est pris l'ulti. Elle s'est baignée dans les plumes. Mais je ne suis pas mort. La Xayah s'en tirera pas grand chose. On a eu une vie contre une Zira. On va dire que c'est pas hyper... ça serait pas hyper worse si c'était pas notre wave à nous qui était en train de boucher en fait. Ça veut dire que si le Lucian arrive à tout bien nettoyer, et encore je suis même pas sûr, parce que la Xayah est déjà en train de revenir. Non, non, en fait il freeze. Il choisit de freezer la lane. Moi je vais pour redescendre pendant ce temps en mid. Je vois pas bien ce que Karthus peut faire contre Malzahr, contre nous. On voit notre train d'amer qui décale enfin. Après avoir poussé le Garen sous sa tour. Moi pour l'instant je suis tout seul en bot, j'ai pas trop envie de me montrer. La vie et le train d'amer se réunissent dans la jungle. Nous on est plus ou moins revenus. Elle fait super mal. Elle fait
Super, super, super. Et Dieu sait qu'elle est pas très bien. Et là, je me dis, elle est tellement pas bien que normalement, mon ami Lucian est raté. Il a chié son ulti en termes de direction. En plus, la Akali est venue aider. La Zira revient aussi. Heureusement pour moi, dans mes petits frais, j'ai acheté un peu de RM, une cave de RM, qui fait que je ne meurs pas sur ce coup-là. Ils sont trois en bot. La Kali passe très souvent en bot. Hein. Je pense qu'elle a compris qu'elle pouvait bien se nourrir. On va dire que du coup, c'est tant mieux. Comme ça, on l'absorbe. Et pendant qu'on l'absorbe, eh ben, en fait, vous voyez que le train d'amer met très mal le Garen. Là, je crains que le Malzar, voilà, se fasse pécho. Il se fait minion block. La Akali aussi un peu. Il l'amène sous tour, malheureusement. Ah ben si, ça passe, ça passe. Je le ferai moi aussi une fois, ça c'est rigolo. La Akali, mais vraiment, elle fait des trucs. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Parce qu'on a un peu raté l'arrivée du train d'amer en botte. Pendant que je suivais ailleurs. Et là, le train d'amer va se faire bolosser. Il a plus trop de points de vie. Quelques secondes d'invincibilité. On essaye d'arriver pour lui sauver la mise. Il survit. Lucian est pas dans une forme olympique. Je comprends pas trop pourquoi il casse son bac, mais c'est pas grave. Il va le faire deux fois, je crois, péter son bac. Voilà, je sais pas bien pourquoi. Parce que je pense qu'il croit qu'on peut l'attraper. Il rate son étoile, elle fait son ulti, elle rappelle son ulti, il a évité l'ulti. Je l'exhauste, il lui reste quasiment rien. Spoutz, c'est passé. Il est un peu à la merci d'un ulti de Karthus s'il l'a encore. La vie vient vers nous. Malzar a réussi à échapper à un gank en mid. Et Akali se ramène pour manger, bien évidemment. Là, j'essaye de la prendre pour une conne, ça marche pas des masses. Voilà, ça marche assez moyen. Et en fait, là, je l'entraîne sous la tour en me disant qu'avec un peu de bol, elle va crever. Et j'ai pas eu l'assist. J'ai pas eu l'assist. J'ai même pas collé une auto en fait. Je suis tellement pas arrêté. C'est pas si worse que ça du coup. Hein. On va dire que on les prive de leur jungler pendant un petit moment alors que moi je suis qu'un pauvre support. Mais j'aurais dû me retourner pour une pauvre auto. J'avais tellement peur que ça me mette. Qu'elle me tue et qu'elle arrive à se barrer avec ses putains de sauts. J'ai voulu la garder la plus longtemps possible sous tour. Je sais pas si ça valait le coup ou pas. Enfin, en tout cas, je l'ai fait. Hein. Voilà, des plumes dans tous les sens, c'est excellent, ce champion est complètement pété. Lucian choisit de se baigner dans les minions. J'arrive à choper la Zira du bout de l'ulti. Je pense que Karthus a voulu les aider en faisant son ulti, mais un petit peu tard peut-être. Et là, je vous le refais au ralenti parce que même nous, on n'a rien vu. En fait, on n'a pas vu. La Akali a super bien joué. On est à fond dans notre trade.
Et plutôt que d'arriver directement par la rivière, la Akali, elle prend le temps de passer dans le buisson, hors de vue. Personne ne l'a vu arriver. Elle me bondit dessus, défonçage. C'était très très bien joué de sa part. On était comme des cons. C'est là que le Malzar pète un câble, parce qu'en fait il comprend pas pourquoi on meurt. Il a pas vu qu'on n'avait pas vu du tout le gang, quoi. Et là, Akali, heureusement qu'il y a eu le soin, parce qu'elle s'en sort à très peu de points de vie. Ils ont eu la première tour. On est libéré de cette première tour. Franchement, notre botlane gazait pas tant que ça. Honnêtement, moi j'aimais bien les mouvements qu'on faisait, mais... j'ai pas l'impression que Miss Fortune, Lucian, ça soit très très viable en fait. Pendant ce temps, les deux monstres se regardent. Regenman contre Regenman. Le dragon est là, il serait temps de le faire. Zira se fait crocher, je viens aider, Karthus se déplace, je passe sur Karthus. Akali me saute dessus, heureusement Malzar s'est mis dessus. Moi j'essaye de me barrer, je sais que je vais... Enfin j'essaye de me barrer. Je sais que je vais y rester, donc je me retourne pour faire un ou deux dégâts. Et Akali se sauve encore à peu de points de vie. Et personne ne va affronter la Xayah. Lucian prend les fruits certainement pour pas les laisser aux autres. J'espère, parce que sinon je vois pas bien pourquoi. C'est le début du teamfight pour nous. C'est là que tout le monde va commencer tranquillement à se rassembler en mid. Ça vaut pas le coup de tuer les plantes comme ça à ce niveau-là. Elles font beaucoup plus mal que ce qu'elles te rapportent. Il faut les laisser crever. C'est ce que je pense. Et on se retrouve au Drake. Je vais tenter d'avoir Xayah à travers le rocher. Malzar a chopé Akali, tiens. Avec vie, vu ses points de vie. Drake est toujours là, on commence à tourner un petit peu autour, c'est wardé de partout, et moi mon dewarder n'est pas encore revenu. Et voilà comment l'ulti de Xayah fait qu'elle s'échappe du mien. Et là, elle a du bol, elle a sauté en plein dans mon ulti. J'essaye de l'avoir au Thunderlord, mais pas assez. On va dire que pour le coup, je lui rends la monnaie de sa pièce. C'est moi qui m'en tire à pas de points de vie. Mais bon, en 1v1, sans sustain, c'était même pas la peine d'y penser. Il aurait fallu, qu'elle se mette vraiment à portée de plaque, et que moi j'ai mon jump pour me barrer vite après avoir mis la plaque. Mais voilà, c'est des trucs qui se produisent pas vraiment, quoi. Eh ben ils vont se récolter un premier dragon. Qui en plus est un dragon de feu. C'est formidable. Vi arrive pour essayer de sauver le truc. À peu de choses près, elle aurait pu l'avoir, je pense. Et là, elle s'engage dans un combat, mais... Xayah is Xayah. Moi, je trouve qu'elle a au contraire beaucoup de mobilité, parce qu'elle peut... Elle peut arriver à te poke alors qu'elle est en train de courir, en fait. Bon, malheureusement, là, hein, on va... Le bac dans le buisson avec l'ulti de Malzar, c'était un peu vendu.
Et là on se dit que quand même cette tourmide serait bien pour la bouffe. Vous voyez que le train d'amer, lui, il a nettoyé sa lane complètement. Le Karthus sert tellement à rien, il n'y a que son ulti qui sert en fait. Train d'amer s'est tapé Alcali. Alcali, ça peut rien dire. Si, Alcali Lay dans X-Men, mais bon. Alcali, il s'est fait choper par le Garen après. Moi je suivais le Lucian qui descend en monte. J'ai décidé de lui prouver que j'avais confiance en lui. Et là j'ai mon ulti de up en fait. J'ai hésité à le coller là. Franchement j'ai bien fait parce que j'aurais pas eu Karthus et j'aurais lâché mon ulti pour des prunes. C'est pas pour rien que j'aurai le meilleur score de ward de la partie. J'en mets partout. Je pense que là c'est l'heure de la bot lane. Je vais warder bien en avance pour être sûr de voir arriver quiconque vient de nous faire chier. Et de fait, voilà. Garen arrive, Vi nous l'indique. Donc on est au courant, on tape la tour autant qu'on peut. Et le Garen, lui, il est pas bête. Il tente pas de la 1v1 sachant qu'on est à côté. Je pense que si Xayah avait son ulti, elle pouvait nous nettoyer tous. Donc Garen remonte. Pendant ce temps, je vois que Akali est en train d'amer ou pas. Elle est en train de faire le grand, d'accord. Je pense qu'elle va essayer de... Non, je pense qu'elle s'en méfie maintenant. J'allais dire, elle va essayer de sauter. Non, elle y va. Elle y va. Ah ouais, non, elle se planque sous la tour. D'accord. Putain, mais... Pète qui lui colle. C'est quoi cette allure? Les pets qui lui collent, c'est hallucinant. Alors, je vais revenir 15 secondes en arrière. Hein. C'est hallucinant, train d'amer. Hein. Il a des faiblesses, hein. Mais il a des putains de forces. Xayah, ses faiblesses, je les vois pas encore. Donc là, c'est le bait du buisson. Bait réussi, bait pas réussi. Bait réussi. Là, le Lucian est pas content parce que je l'ai pas aidé. Bah ouais, peut-être, mais moi je trouve que je t'ai bien aidé, mon gars. C'est juste que t'as pas regardé sur la minimap ce que je faisais pendant que toi, à 2 points de vie, t'affrontais une Xayah surboostée. Et qu'on l'aurait certainement pas eu à 2. Et moi, je vais pas chercher la plante parce qu'elle va me faire bien trop mal. Sachant qu'il me faut 3 attaques pour la tuer, je crois. Malzahar décide de venir voir. Il y a une ward dans le bus, dans le tribush. Je pense qu'il va se faire... Voilà, il se fait niquer parce qu'il y a une ward. Donc, E-ward, il s'en va. Je décide de le suivre. Bah, j'ai plus rien à défendre en bot. Hein. Donc, il faut bien que j'aille me rendre utile ailleurs. Karthus est bien avancé. Trop bien avancé. Alors, certes, il a wardé. Mais du coup, le voilà tout isolé, poursuivi par Malzahar. Obligé de faire tout le tour pour revenir dans un endroit pas si safe que ça. Lucian, je pense qu'il va se faire défoncer par Akali. De manière très classique. Et je ne sais même pas si Vi va survivre. Hop, non putain, là... Elle a un de ses escapes, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Heureusement que Vi a de la mobilité aussi. La tourbotte est toujours là. C'est peut-être le moment où on la chope parce qu'on en a marre. J'essaie de la laisser au Lucian, mais en fait c'est un creep qui la prend. Je sais même pas si ça a un intérêt quelconque de laisser la personne descendre.
Si j'ai bien suivi le petit icône qui est apparu en bas, j'ai même pas été compté comme assistance sur la tour, je vois pas bien pourquoi. Alors, un TP en mid, Garen, non Karthus. Ah Karthus TP, j'avais pas fait gaffe. Karthus TP. Revenons en arrière, là, j'ai pas bien vu. Que se passe-t-il ici? Donc, Karthus TP. Vi caché dans le buisson. Zira arrive dans le buisson. Zira flash pour éviter Vi. Garen fonce. Malzahar arrive. Malzahar chope. Il chope. Non, il chope pas grand monde. Merci Karthus de venir te baigner dans mon ulti. Moi j'ai que ma vitesse et mon flash pour m'en sortir. Malzahar aussi a reculé juste à temps. Zira s'en sort à 3 fois rien. Ils se disent qu'il serait temps d'aller faire le Drake. On se dit qu'on peut pas faire grand chose. Je me fais avoir par Akali mais en beauté. Ils ont le Drake, bon ils ont pas trop fait attention pendant ce temps. On leur concède beaucoup de trucs mais en fait ils ignorent certaines parties de notre équipe. C'est-à-dire qu'en termes d'objectifs ils sont pas mal. En termes de dragon, en termes de tout ça. Mais mine de rien, il laisse Trindamer faire ce qu'il veut, il laisse avancer, il se concentre sur ceux qui se sont déjà fait rouler dessus et je suis pas sûr que ça soit rentable. Là, voilà. Il devait être un peu merdique si je reviens en arrière. On est gentiment en train de taper la tour. Zira met une plante. Akali bondit. Ulti de Karthus. Ouais, voilà, on n'avait pas grande chance de s'en tirer quoi. Trindamer arrive par derrière. La vie occupe le Karthus. Malheureusement Xayah est là et Xayah elle fait très mal. En fait elle a porté une bonne partie de la partie. Hein. Akali et Xayah. Oh non, essaye pas de tirer dessus. Essaye pas de tirer dessus. Akali a été nettoyé la bot lane, la top lane pardon, pendant que tout le fight se concentre en mid. C'est finalement là où Zira est la plus efficace. Tout le monde bien paqué, il suffit de pas mal de plantes et d'un gros ulti. Malheureusement la Zira est tellement mobile que les plantes n'ont pas le temps de s'accumuler en fait. Un petit peu un des problèmes du perso, c'est que quand tu passes ton temps à changer de lane, t'arrives sur la lane, et bien à part les plantes que toi tu poses avec ta compétence, t'as un peu rien. T'arrives pas à faire ton petit jardin. À part au niveau 17-18. Hein, mais... Alors il me prend en chasse, mais c'est pas une idée géniale. Mon ulti est un petit peu à côté de la plaque. Il aurait pu être mieux que ça. Moi je l'ai fait fuir. Je finirai avec des dégâts pas mauvais, mais ma plaque est pas tellement là pour les tuer. Ma plaque, elle est tellement pas là pour les tuer. La Akali a fait du speed push de folie. En fait, elle a réussi à choper la deuxième tour bot, la deuxième tour top. Quasiment. Je crois que celle qui est en bot là, elle va survivre.
celle qui est en top, je vais y aller. On va faire un duel avec la Akali. À ça de l'avoir. À ça de l'avoir. Bon, c'est Akali, quoi. Il m'aurait manqué un tout petit peu de dégâts pour l'avoir. On est tous très mal, malheureusement. Bon, à part Train d'Amer qui bouffe un Gromp qui se retrouve mi-vie. Se régène de folie, quoi. Ça pousse en mid, encore une fois. La Akali aime beaucoup le Dive Tower. Vraiment beaucoup. Ça lui réussit, faut dire. Ça lui réussit, elle a les comps nécessaires pour se barrer. Le seul problème, c'est qu'elle arrive mal à les timer et que souvent, elle se fait avoir par la dernière boulette de la tour. Ah. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'elle allait profiter de sa zone d'invisibilité pour passer dans le buisson et éviter mes dégâts. Donc j'ai voulu m'avancer pour mettre dans le buisson la petite zone. Alors qu'en fait, elle était juste en face de moi. Et heureusement, Malzahr a l'ulti. L'ulti de Malzahr est quand même la solution. Pas la seule solution, mais une des solutions qu'on a quand on a Garen ou Akali. Elle ulti, il ulti, tout le monde tape dedans et en général on l'a. Tout le monde est là en mid sauf Train d'Amer. Vous voyez, il laisse Train d'Amer, speed push dans son coin. Et quand il ping, eh ben ils y vont à un peu trop. Ils ont mal géré leur passage d'une lane à une autre en fait. Ça nous a permis, vous voyez, nous, mine de rien, du coup, on avance un peu. Train d'Amer, il passe dans la tour. Il s'invincibilise à temps, il se paye Cartus et il se tire. On va essayer de revoir le combat un peu plus lentement. Train d'Amer, il tourne, il rentre. Comme Zira s'enfuit, il switch sur Cartus. Qu'il tue en 4 coups. Moi je crois que j'ai bien placé mon ulti. Il me semble. Regardez, pendant que Train d'Amer fait son délire, nous on avance petit à petit. Garen il sait plus bien où aller. La vie traverse pour aller taper la Zira. Moi je place mon ulti là. Non ça va, il était pas trop mal. Moi là je suis à la merci du premier exécute, de la première plume qui passe. C'est un rôle de support très ingrat parce que très patanti. Même comparé aux autres supports qui peuvent se soigner, faire des shields, vraiment je pose des plaques. Heureusement en face c'est Zira. Et Zira bah, elle est pas plus tanky que moi quoi. Elle poke, elle est pas là pour sauver les gens. Elle a éventuellement sa cage mais, ou son ulti mais c'est pas si salvateur que ça quoi. Allez reprenons notre vitesse normale parce que là on se rapatrie au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, Akali, elle est en bas en train de défendre. Xayah, elle est en mid. Et pendant qu'ils font leurs petites affaires, en se demandant peut-être où on est, eh ben on se farcit le Nashor. Et du coup, il y a eu un ping bleu quand on a tué le Nashor. On va se rapatrier ensuite sur le Drake qui n'est pas encore l'ancestral. On est encore coincé dans le Drake normal. Et c'est le prochain qui deviendra ancestral. Donc on se rabat dessus. Évidemment, vu notre niveau, il va pas faire long feu. Il n'y a aucune ward sur le Drake.
Et on le descend tellement vite qu'on prend même pas la peine ni de warder ni de déwarder. La cage de Zira dure pas très très longtemps. Voilà, j'en ai placé une un peu au pif, en pensant qu'ils allaient contourner, mais en fait non, ils se replient. Ils sont devenus très timides en fait. Akali vient de terminer son blue. Ah là, je l'ai pas vu celle-là, tiens. Il a ulti, je pense. Je pense qu'il ulti Karthus. Et je viens lui filer un petit coup de main histoire qu'il s'en sorte pas. Et c'est moi qui ai le kill du coup. On a tué Lolamento. Akali se prépare. Et si j'ai bon souvenir, c'est là qu'elle part pour choper la tour top. J'en suis pas sûr. Pendant ce temps, le roi du split push, bah, il a avancé en bas. Le train d'amère a fait une très bonne partie. Quoi. T'as vu les pets qui fout. Les pets qui fout, quoi. C'est ahurissant. Voilà, je vais me le refaire au ralenti. Encore un petit peu en arrière. Hop là, mou du genou. C'est un dingue. Elle est là en train de faire sa maligne parce que le perso est super balèze. Train d'amère évite la cage. Xayah s'avance énormément. Un coup, 548, 576, elle fait son ulti pour survivre. Elle se prend l'ulti de Lucian. La vie a raté son coup de poing. Elle a réussi le deuxième, boum bébé. Zira lâche son ulti à elle. Vie s'en sort. Elle lui revient dessus avec Train d'Amère et c'est Train d'Amère qui gagne avec un magnifique 659 points de dégâts. Et la tour, bah la pauvre. Voilà. Et Karthus se dit tiens, je vais faire un doublé. Eh ben non. C'est beaucoup trop balèze pour toi. On va revenir en arrière. Voilà, j'arrive pour défendre la tour top face à Akali, feed moi en MF support. Hein, heureusement qu'on prend pas les paris. Énorme vague de minions qu'il faut assez vite réduire. Elle me saute dessus, je rate, en fait j'ai le... On va refaire. J'ai le mauvais réflexe, c'est-à-dire que je lâche l'ulti, mais dans la mauvaise direction. Je lâche pas le bon ulti. J'aurais dû éviter son tir. Je sais pas s'il est visé ou pas. Mais... Là, elle me bondit dessus. Bon, j'annule vite l'ulti qui sert à rien. En plus, Karthus vient tout ça. Je lâche ma plaque. Je flash de l'autre côté de la tour. Je suis en vie. Elle est très pas bien. Et je me dis que peut-être une plaque, sauf qu'en fait, elle se régénère suffisamment pour venir m'affronter. Elle se prend un coup de tour, elle me fonce dessus. J'aurais pas dû fuir par la gauche. J'aurais dû trouver un autre endroit pour fuir, mais je sais pas bien où. Je sais pas comment je lui aurais échappé. Bon, et après, voilà, elle se régénère en 4 secondes. Elle défonce la tour comme s'il n'y avait rien. Hop, voilà, mange ta tour. Elle tankera les derniers coups. Voilà qui est fait. Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr.
Ça, c'est rigolo quand même. Et t'es où, t'es où? Ben, elle était là-haut. Voilà. C'est triste. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que son split push est bien vu. Hein. Elle arrive à prendre les tours. Elle a pris le top. Elle a presque pris le bot qui survit. C'est con qu'elle vienne pas un peu achever son travail. Ça aurait pu pousser les minions sous la tour, nous ramener chez nous. Malheureusement, ben, ils sont hyper mal chez eux, quoi. Ils sont tellement mal chez eux que ça peut pas changer la donne, pas avec un train d'amer qui peut surgir du néant et défoncer Akali. On a le perso pour venir counter speed push. Bon, même si là il se fait tourner en ridicule. On a le perso qui peut venir défendre en quatrième vitesse, toute clean. Je suis pas sûr que ça soit un investissement rentable. Alors celui-là, je l'ai pas vu venir en fait. Je regardais pas. Je vais me mettre ici pour bien le voir. Voilà, je regardais rigoureusement pas. Donc Akali, encore une fois, passe par un chemin ni vu ni connu. Elle tombe sur Train d'Amer qui commence à lui coller des pralines. Donc qui commence à se battre. Ils sont mal tous les deux. Elle devient invisible comme d'hab. En fait, elle reste immobile. Et moi, je me dis qu'une petite plaque pourrait bien l'aider. Elle zonia au milieu de son invincibilité. Et elle saute sur le Train d'Amer qui lui lâche sa malédiction plus une bébête et moi qui file une petite auto l'histoire de filer des autos. On avait commencé à rentrer, ben on va continuer. On va se prendre le troisième inhib. Alors, si vous le voulez bien, revoyons la scène au ralenti. Elle est assez violente. On passe sur l'inhib. Garen est en défense. Xayah lâche ses plumes, plus des plumes, plus son ulti. Lucian n'arrive pas à sauter à temps. Garen n'est pas très bien, il se fait ulti par Malzahar, il y passe. J'essaye de nettoyer des minions pour que notre vague fasse un peu de dégâts à la tour. Toujours Xayah qui se prend vie, qui donc fuit, mais qui la met quand même relativement mal. On remarque que le joueur qui joue Xayah, il a trouvé la combinaison de touches pour faire le rire. Parce que ça m'énerve les joueurs comme ça. Vie se fait cager. Heureusement la tour lui tire pas dessus. Moi je lâche mon ulti parce qu'il y a Zira qui s'échappe à pas grand chose. Heureusement Malzahar a mis sa malédiction dessus. J'enchaîne sur la tour. Karthus vient se rappeler à mes bons souvenirs. Akali me prend en chasse, bien évidemment. Elle saute sur Malzahar qui meurt et elle va me sauter dessus, que je meurs aussi, que ça sert à rien de courir. Heureusement, pendant ce temps, le Karthus se fait rouler dessus. Boum. Et Train d'Amer va pouvoir enchaîner sur Akali, sauvant la vie de vie. Il n'y a donc plus qu'une Xayah. Et il reste Train d'Amer, le défenseur d'objectifs, qui va transformer le Nexus en Chipolata. Pas grand chose, hein, parce que dis donc, ok, il a réussi à placer son ulti. Il reste pas grand chose au Nexus. Vie se fait exploser par Garen.
Étreint d'un mer invincible, c'est dégueulasse, termine le Nexus. C'est honteux. Voilà les cadavres. Désolé que ça soit sous cette forme-là, pour le coup. L'autre enregistrement a pas marché, je sais pas bien pourquoi, mais je vais investiguer, hein, parce qu'il est hors de question que ça se reproduise. En attendant, autre chose, je vous souhaite un très bon jeu. Rendez-vous in-game ou que vous jouiez. Ciao les cadavres.